Avodazara Daf Samech Dalet. Premier sujet. La Gemara demande quel est le din dans le cas où un goy a employé un juif pour casser des tonneaux de Yain Esser et pour les perdre, pour jeter et perdre ce vin-là. Est-ce que l'employé qui est intéressé à ce que le vin tienne encore quelques minutes de manière à avoir du travail et à recevoir son salaire? Donc, a priori, il est intéressé à ce que le Yain Esser existe et on devrait lui interdire. Est-ce que quand même on lui permet de s'occuper de ce travail-là? La Gemara dit que la halakha est qu'il a le droit de le faire, puisque l'essentiel c'est que finalement, à la totale, on gagne le fait qu'il va perdre du issour, de la avera. Donc, puisque finalement, cet homme-là est intéressé, donc à la finale, de perdre, de verser tout ce INSR. Et donc, on ne peut pas lui interdire cette chose-là. Au contraire, on a un intérêt de lui laisser travailler, laisser faire. Et donc, c'est permis. De même, dit la Gemara à propos de Kilaim, malgré qu'on n'a pas le droit d'aider un goy à travailler sa terre dans laquelle se trouve des Kilaim, mais si le goy est intéressé de déraciner ses Kilaim, le juif a le droit de s'employer chez lui, de travailler chez ce goy-là et de déraciner avec lui les kilaïm. La Gemara l'explique de deux manières. Soit selon Rabbi Akiva qui interdit de maintenir des kilaïm dans son champ, Minatora, celui qui fait il est Khayav Malkout, et pourtant on voit que quand il a l'intérêt de cet homme-là, l'employé, a un intérêt que les kilaïm tiennent encore quelques minutes de manière à pouvoir travailler et à gagner son salaire, quand même, puisque finalement, la totale, il est intéressé de les déraciner, c'est permis. Donc ici aussi, à propos des NSR, ça devrait être permis de casser, de s'employer à casser les NSR. Et d'après Rabbanan aussi, qui pense que de maintenir des kilaïm dans son champ, c'est pas, il n'y a pas de issur minatora. Mais quand même, il s'agit ici, quel chidouche de cette braïta, c'est de dire que malgré qu'il travaille, qu'il aide le goy gratuitement, or on n'a pas le droit d'aider un goy gratuitement, eh bien quand même, ici il a le droit de l'aider, puisque finalement, on gagne à ce qu'il perde le issour et le kilaïn. Donc on voit ici que l'intérêt que l'on a de faire perdre la avera est plus important encore que le issour qu'il transgresse au passage, et donc on considère ça plutôt comme un mal c'est permis plutôt qu'une avéra. Donc finalement, c'est permis. Deuxième sujet, la Gemara demande quel est le din d'un goy qui a dans sa main de la valeur de l'avodazara, un prix de l'avodazara. Est-ce que c'est permis ou pas? La Gemara dit que cet argent-là est permis. La Gemara ramène une première preuve d'une histoire où on disait à des guérim, les chachamim disaient à des guérim, avant de vous convertir, vous avez intérêt en tout cas, à vendre tout ce que vous avez, puisque vous avez un mélange d'avodazara. Donc on voit ici qu'une fois qu'ils ont vendu, le prix de l'avodazara est permis. La Gemara repousse en disant que ces goïms-là, avant de se convertir, évidemment qu'ils ont l'intention d'annuler toute leur avodazara. Or un goï a le pouvoir, peut annuler sa avodazara, donc c'est pas une preuve. Deuxième preuve, dit la Gemara, celui qui a prêté de l'argent à un goy, et que le goy a vendu sa avodazara pour lui donner le prix de la avodazara en tant que remboursement de sa dette, et de même pour Yain Esser, il lui a donné la valeur de son Yain Esser, le juif a le droit de s'en servir, de se faire rembourser sa dette de cette manière-là. Donc ici on voit que la valeur de la avodazara dans la main d'un goy est permise. Tandis que, continue la braïta en disant, si le goy a dit aux juifs, attends que je vende ma avodazara à mon Yain Esser. Ici, par contre, le juif n'a pas le droit de se servir de ça en tant que remboursement, puisqu'il a un intérêt à ce que l'avodazara et le Yain Esser existent encore jusqu'à la vente du goy. Donc, puisqu'il a cet intérêt-là, c'est considéré comme un profit de l'avodazara et du Yain Esser, et donc il n'a pas le droit de se faire rembourser sa dette de telle manière. La Gemara précise que à propos de l'héritage d'un guerre,
un guer qui hérite son père Goy et avec son frère Goy, un guer qui hérite avec son frère Goy, leur père Goy. Ici, ils ont droit, le guer a le droit de dire à son frère Goy, prends-toi la Vodazara et moi le reste. Prends-toi le Yaïneser et moi je prends le reste des biens de mon père. Malgré que ici le guer a un intérêt à ce que la partie de la Vodazara, la partie du Yaïneser existe encore pour que son frère soit bien d'accord de se partager de cette manière-là, quand même, on considère ici que le guer a le droit de cette manière-là de profiter de la Vodazara indirectement, donc de prendre en fait en échange de la Vodazara le reste des biens de leur père. C'est une takana spéciale midrabanan, de manière à ce que le guer, en voyant qu'on lui interdit de profiter tout profit de la Vodazara, même de telle manière, il risque de redevenir goy. Il risque d'abandonner toute la Torah pour ne pas perdre son argent, son héritage. C'est pour ça que les Chachamim ont fait une coula spéciale de considérer ici qu'il a le droit de se partager avec le goy, de lui donner, de donner à son frère goy donc le Issour, la Vodazara, le NSR, et de récupérer le reste. Troisième sujet du DAF, un guer toshav. Un guer toshav, c'est un goy qui garde soit les trois avis de la Gemara, soit qui fait attention à ne pas faire, qui a pris sur lui de ne pas faire Vodazara, soit les sept mitzvot de goyim, soit toutes les mitzvot sauf de manger les nevelotes. Ce guer toshav là, donc il reçoit des nevelotes à manger, les autres mitzvot il les accomplit. Donc la Gemara demande, un guer toshav, est-ce qu'il peut annuler une avodazara comme un goy, ou il ne peut pas l'annuler comme un juif? La Gemara dit que la halakha est que le guer toshav, puisqu'il n'est pas ouvert d'avodazara, il ne peut pas donc annuler une avodazara. Il ressemble à un juif à propos de ce halakhot-là, et donc il ne peut pas annuler le issour d'une idole. La Gemara pose deux questions. Première question, d'une braïta, on voit que aussi bien celui qui fait la avodazara que celui qui ne fait pas la avodazara, un goy, peut annuler. La Gemara explique qu'il s'agit aussi bien s'il fait cette avodazara précise ou bien un goy qui fait une autre avodazara, a de toutes les manières la possibilité d'annuler n'importe quel avodazara qui existe. Deuxième question, d'une autre braïta, on voit que le guer toshav a un din de goy, donc en quoi il est indigne de goy si ce n'est que il a le pouvoir d'annuler la avodazara? La Gemara repousse en disant non, il ne peut pas annuler la avodazara. Il est indigne de goy, aucun rapport avec les ilchot avodazara. À propos des ilchot shabbat, il a un din de goy à savoir que s'ils n'ont pas fait de hérouv dans le bâtiment, donc ils se sont pas tous associés sur un pain pour permettre de sortir des maisons au bâtiment ou de rentrer du bâtiment en maison. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, un juif, ici il y a une différence entre le juif et le goy, c'est que le juif peut se suffire d'annuler son réchout. Son réchout, il annule, il dit à ses voisins, j'annule mon réchout, donc c'est comme si je ne suis pas là, et puisque tout le monde annule son leur réchout, ou au moins celui qui a oublié de s'associer sur le pain du hérouv, il n'interdit plus donc de porter dans le bâtiment. Un goy ne peut pas se suffire d'annuler son réchout. Le goy, il faut louer du goy son appartement. Et c'est pour ça que la Braïta dit ici que le guer toshav annule le goy, à savoir qu'il ne peut pas annuler son réchout, mais il faut vraiment louer son appartement. Ensuite, la Braïta rentre un peu dans les détails, comme on l'a vu, qui est considéré comme guer toshav et quel est le din de son vin.